Bonjour à tous, bonjour à tous les adhérents Magic Form, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai prévu une séance de cross-training à la maison. On a besoin d'aucun matériel, juste serviette, bouteille d'eau et un tapis abdos. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un WOD 100% abdos. Donc là, on va vraiment commencer à se préparer pour cet été et le déconfinement qui, j'espère, approche. Ok, on va se mettre en place, on va avoir un tout petit WOD d'échauffement. On va laisser bien monter le cœur et être vraiment chaud. Et derrière, on attaque notre WOD 100% abdos. On se met en place. Ok, prenez un petit peu d'espace, commencez bien à mobiliser les poignets. Après ça, on peut venir faire des grandes ouvertures en même temps qu'on inspire. On gonfle la cage thoracique, on souffle, on envoie les bras derrière. On inspire, on monte les bras devant, on souffle, on les ramène derrière. On garde bien le dos droit, on fait des mouvements le plus ample possible pour bien chauffer les épaules. On va venir commencer à travailler sur la ceinture abdominale. En même temps qu'on va monter les bras, on va aller regarder loin derrière. Ça va étirer tous les abdos. Voilà, et on revient normalement. On inspire, on étire, je souffle, je reviens normalement. Il faut que le regard suive bien les mains. Allez regarder le plafond. Oh, ok. On relâche. D'accord. On va partir pour un tout petit mode d'échauffement ensemble. Donc là, on va enchaîner. Petit mode d'échauffement. On va enchaîner deux mouvements sur 50 répétitions. Premier mouvement, jumping jack. Mouvement bien ample sur la pointe des pieds. Mouvement bien ample sur les jambes et les bras. Je monte le cœur. 50 répétitions de jumping jack. Une fois que j'ai fini ces 50, je passe au sol en position comme la planche, les mains sous les épaules, abdos gainés, le dos droit, et je viens juste les pieds largeur de bassin, monter une clumber, monter un genou, redescendre, monter l'autre genou, le tout en rythme. À chaque fois que je monte un genou, je remonte l'autre et j'alterne comme ça. À chaque fois que j'en monte un, ça fait 1, l'autre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 50. 50 jumping jack, 50 montées de genoux. On souffle, on récupère, on respire bien. Et on repart comme ça. L'objectif, ça va être de faire 3 tours. Ok, en place. Ok, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Allez, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Ok. On passe au sol, on gagne bien les abdos, à fond, montez une clumber, 50, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 50, ok. On se relève, on souffle. On peut taper et attraper une petite gorgée d'eau. Normalement là, le cœur commence à monter légèrement. Là, ça permet de s'échauffer, tant au niveau du cœur qu'au niveau des articulations. Donc c'est primordial pour derrière bien faire notre wall 100% abdos. Alors, on attaque le deuxième tour. On est reparti, 50-50, go. 1, 2, 10, 20,
30. Ok. On relâche les épaules. Essayez de garder justement les épaules basses lors du mouvement. Gainer à fond les abdos. On est reparti pour 50. 10. 20. On serre bien les abdos. 30. 40. 50. Ok. On regarde le dos droit. On respire. Si on a besoin, on s'hydrate. On se concentre sur la respiration. Je laisse un petit peu de temps. Au cas où d'autres ont un rythme différent. On va attaquer notre troisième et dernier tour. Et on sera chaud. 50 jumping jack, 50 mountain climber. Dernier tour. On essaie de mettre la vitesse la plus importante possible. On est parti, jumping jack 50, 3, 2, 1, dos. Dix. Neuf. Et 50. Ok. On souffle, on se met en place. Mountain climber, pareil, le plus vite possible. Go. 10. 20. 30. 40. 50. Ok. On respire. On inspire profondément. On souffle profondément également. On passe à s'hydrater. 5 petites minutes. On est chaud. On relâche bien. Et derrière, je vous explique le déroulé du WOD 100% abdos. Très bien. On va partir pour notre WOD 100% abdos. Il va se composer de 4 mouvements. Mouvement de crunch, un enroulé classique, mouvement oblique, on va aller chercher sur les côtés, mouvement tuck-up, on appelle ça, je vais vous montrer une petite variante du tuck-up, on va s'installer sur les coudes, et on va ramener bien les genoux vers nous, pour essayer de travailler la partie basse des abdos, et sit-up, donc on va faire série de 30 crunch, 30 obliques, 20 tuck-up, 20 sit-up, ça fait un tour, on aura fait 100 abdos déjà, ça, il faudra faire 3 tours au total, donc à la fin du tour, récupération 1, 2 ou 3 minutes avec des petits relâchements de la sangle abdominale. Donc très bien, je vais vous montrer ces 3 mouvements. Premier mouvement, le crunch. Pour le crunch, on sera au sol, le dos au sol, on respecte les courbures naturelles, on va avoir un petit creux dans les reins, on ramène les talons vers les fessiers, on met les mains derrière les oreilles, on vient surtout pas tirer sur la nuque. Le but c'est de enrouler et de ramener sternum vers le pubis. On souffle et on enroule. Ça c'est ce mouvement à faire sur 30 répétitions. Deuxième mouvement sur 30 répétitions également. La position initiale est la même, sauf que on ramène le coude droit, on souffle. On la ramène en direction du genou gauche. Le coude gauche en direction du genou droit. On souffle bien sur l'effort. Et on va chercher sur les rotations. Chercher vraiment les abdos en oblique. Ça, 30 répétitions également. Ce mouvement-là est un petit peu plus compliqué que les autres puisqu'on le fait moins régulièrement. Mais il n'est pas bien complexe non plus. On se pose sur le dos comme ça.
et on met nos coudes au niveau du sol. Avec cette position, on respecte les courbures naturelles, on gagne les abdos, on essaie de bien s'auto-grandir. On quitte les talons du sol, jambes tendues. J'inspire, je ramène les talons vers la les genoux vers la poitrine. Je souffle, je rallonge les jambes. J'inspire, je ramène. Je souffle, je rallonge. J'inspire, je souffle. 20 répétitions. Quatrième et dernier mouvement. Les jambes semi-fléchies. On va faire les sit-ups de base. Je contrôle la descente. Avant que mes omoplates s'écrasent complètement au sol, je souffle. Et je ramène ma position de départ assise. Je peux m'aider de mes bras pour le mouvement. C'est-à-dire que je peux contrôler la descente comme ça et lancer mes bras pour me redresser. Ça va me faciliter le mouvement. Si j'arrive à le faire sans, j'essaie de minimiser le mouvement des bras. Et pire, si je mets les bras en croix sur les pecs et je n'y touche plus, ça sera encore plus difficile. À vous d'adapter l'option à votre niveau de vos abdos. Donc ça, c'est nos 4 mouvements du circuit abdos qui nous font qu'à la fin d'un tour, on aura fait 100 abdos. Mais là, vous vous dites bien que c'est trop simple vu comme ça. Donc, comme c'est trop simple, ce qu'on va faire, on va entrecouper chaque mouvement de position de planche sur les mains en gainage. Donc, je vais vous le montrer au sol. Je vous le montre debout dans un premier temps que vous puissiez bien voir. Quand on est jambes tendues, on met les bras sous les épaules. Donc ça, c'est la position des bras. On va essayer de tourner les mains légèrement vers l'extérieur. Ça fait que ça rabaisse les épaules et ça colle les aisselles, ça plaque les aisselles. Ça, ça permet d'éviter, sur le mouvement de planche, souvent, on contracte les trapèzes, on monte les épaules et on aura très vite mal aux épaules plutôt qu'aux abdos. Donc là, on garde les épaules basses, on tourne, on fait une légère rotation externe sur les mains, on vient plaquer les aisselles et on se concentre à fond pour serrer les abdos. Ça, ça va être la position de planche que je vous montre de suite. Donc les mains au sol, comme je vous ai montré, épaules basses, la tête dans l'alignement, je souffle, nombril rentré, fessiers contractés, dos droit, abdos gainés un maximum. Ça, ça sera la position après chacun de nos 4 mouvements d'abdos qu'il faudra maintenir. Je vais vous demander à chacun au départ en fait de vous lancer un chrono, simplement. Vous laissez un chrono. Ce que vous aurez à faire, ça sera 45 secondes de gainage et 15 secondes pour la minute, pour finir une minute. Donc il reste 15 secondes. On récupère et on rattaque le tour. Du coup, au final, si vous n'avez pas un bon niveau de gainage, au lieu de faire 45 secondes pour une minute de chrono, faites que 30 secondes et les 30 dernières secondes, on récupère. Le but, c'est que chaque fois qu'on ait fait un mouvement, on enchaîne sur une minute avec un travail de gainage. Donc, j'ai fait mes 30 crunch, je fais 45 secondes de planche, 15 secondes de récupération. J'ai fait mes 30 obliques, pareil, 45 secondes, 15 secondes de récupération. Ou sinon, si je ne peux pas tenir 45 secondes, vous faites 30 secondes seulement, 30 secondes à peu de récupération. Donc, après chacun de nos 4 mouvements, on a une planche. On a enchaîné les 4 mouvements, on a fini tout un tour, on souffle, on récupère 2 à 3 minutes. Et on rattaque au deuxième tour. Objectif du jour, faire 3 tours. Courage à toutes et tous. En place, il vous faut juste le tapis abdos, la bouteille d'eau et lancez-vous un chrono pour ça, pour pouvoir avoir le temps. Vous allez enchaîner directement sur votre planche, chacun à son chrono pour le faire à son rythme. Là, forcément, je vais le faire avec vous, mais chacun aura son propre rythme. En place. Allez, premier tour. On commence par les crunch. En place. 30 répétitions. Go! Planche, 45 secondes. Pour ceux qui sont partis sur le même rythme que moi, je vous dirai au bout de 30 secondes de planche, pour ceux qui veulent prendre l'option de faire que 30 secondes au lieu de 45 secondes. Et là, on est à 30 secondes de planche.
ça fait 45 secondes. On récupère. 15 petites secondes et on repart. Ok, on est reparti. Pour les obliques cette fois. 30 répétitions pour les obliques. Go! Secondes de planche, go, c'est parti. Ça fait 30 secondes déjà. Pour ceux qui ont choisi l'option des 30 secondes et nous on tient jusqu'au bout des 45. Ça fait 20 secondes.
secondes maintenant, vous l'avez fait. Encore 10 secondes. Ok, on récupère. Voilà. 2 à 3 minutes de récupération. On est autour de 7 minutes le tour, plus 2-3 minutes. Ça doit prendre une dizaine de minutes maximum le tour. Objectif 3 tours. Time cap maximum pas plus de 30 minutes. Récupérez bien. 2-3 minutes. Je fais une petite coupe sur la vidéo. Et on part pour le deuxième tour ensemble. Alors on part. 30 crunch. Comme au tour précédent, je vous dirai quand ça fait 30 secondes pour ceux qui ont choisi l'option de faire 30 secondes de gainage seulement. Seulement, c'est bien suffisant. Ok, top, ça fait 30 secondes, il nous reste 4 secondes pour mon corps. Secondes de récupération. Après, on va partir pour les obliques. En place. Hop. Je me mets un peu perdu là. Hop, voilà. Go pour les obliques. Dix. 20. 30. Ok. On prend la planche. Go. Ça fait 30 secondes. 3, 2, 1, top. Ok. 15 secondes de récupération. Ensuite, on enchaînera. Take up. On ramène les genoux. Ok, allez, on enroule les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les skis. On repart pour la planche. Allez, go. On centre bien sur les abdos. Normalement, ça brûle bien.
Ah, ça commence à être dur, entièrement. Ça fait 30 secondes. Inspire, 15 petites secondes, c'est le dernier atelier là, on part pour 20 sit-ups, alors on est parti. Allez, 45 secondes de planche pour finir. Allez, go, c'est parti. Alors on maintient, c'est dans la tête, on gagne des abdos à fond, on tient bon. Allez, ça fait 30 secondes. 10 secondes à tenir. Supplémentaire. Là c'est déjà pas mal, je le sens, ça brûle déjà bien, commencez à être essoufflé, ça transpire, normalement vous devez être bien aussi. Récupérez 2 à 3 petites minutes encore et on attaque ensemble le dernier tour. Courage. Courage à tous, on part pour le dernier tour. Chrono. Déjà. Planche.
Go. Alors tiens bon. Après cette planche, le plus dur sera passé. On aura déjà passé la moitié du dernier tour. Allez, ça fait 30 secondes. On a 15 petites secondes. C'est suffisant pour boire un coup si on a la bouteille à portée de main. Ah, on est reparti. T'inquiète. On enroule les genoux, on ramène les genoux. Go! Avant-dernière planche, ça va passer tout seul. C'est dans la tête, on est en train de préparer notre sangle abdominal pour l'été et pour la plage. Il était temps, le confinement on l'a pas vu venir, on est tous en train de trop manger pour faire un peu d'abdos. Allez top, ça fait 30 secondes. On va partir pour les 20 sit-ups, la dernière planche et on a fini. Allez, go! Dernière planche, on n'en parle plus. Go! Alors, on tire bon, c'est dans la tête. C'est fini, c'est notre dernière planche et on a fini. Ça y est, on a passé les 30 secondes. 10 dernières secondes. 3, 2, 1. Tape en souffle. Ok. Ouh. On respire. 2 à 3 minutes encore. Pour récupérer, s'hydrater. Et laisser redescendre le cœur. Ok, bravo à tous. Avec ce travail, normalement, on a entre 27 et 30 minutes de travail selon les personnes. Et là, au final, vous avez réussi à accumuler 300 abdos et 9 minutes de gainage. Donc, chapeau, bravo à tous. C'est un excellent workout, ça, vraiment, pour que ça brûle.
pour travailler essentiellement la sangle abdominale. On a fait 300 abdos et 9 minutes de gainage. Terminé, on va faire des petits mouvements pour relâcher, bien s'hydrater, respirer. Vous pouvez être fier de vous. Bravo. Ok, on a fini. Pour relâcher, on va repartir sur le mouvement qu'on avait préparé à l'échauffement. On s'en était servi pour préparer la sangle abdominale. Maintenant, on va s'en servir pour relâcher. Le même mouvement. J'inspire et je monte les mains au plafond. Je regarde le plafond en venant cambrer légèrement vers l'arrière. Ça permet d'étirer toute la sangle abdominale. Je souffle. Je relâche les bras. Je reviens faire ça. J'inspire, je gonfle la cage thoracique. Je regarde loin derrière. Oui, je souffle. C'est sur l'inspiration, je gonfle la cage thoracique, je regarde loin derrière, ça étire. Ça en fait 10 inspirations. Voilà, alternez bien sur ça. J'inspire, je me grandis, j'ouvre les bras, j'étire les abdos. Oui, je relâche. Ok, on relâche avec la position de gainage, même si on l'a bien fait en essayant d'avoir les épaules basses, souvent justement les épaules prennent un petit peu sur ce mouvement. Donc on essaie de prendre un point fixe, on met la main dessus et on va regarder à l'opposé. Ça permet d'étirer le pec, l'avant de l'épaule, et on peut jouer bien sur la position de la main sur le mur. Tu vas la mettre un petit peu sur la tranche, on va étirer aussi le biceps. Tu vas la mettre un petit peu plus haut, on va étirer plus dans le pec, un petit peu plus bas. Parfois, on peut mieux ressentir l'engagement de l'avant de l'épaule. Donc, essayez de travailler sur ça. Pareil, comme au premier mouvement, on joue sur la respiration. On inspire, on souffle. Et on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin quand on souffle pour relâcher. On peut faire 2-3 inspirations et expirations sur le même bras. On change de bras et on fait pareil. Prendre l'autre mur. Ok, on peut boire une petite gorgée. Fini avec un dernier petit mouvement. Le dos bien droit, je viens pousser ma main vers le sol, comme s'il y avait quelque chose que je devais rentrer dans le sol, et en même temps j'incline ma tête à l'opposé. Voilà, là on va venir étirer à fond le long du cou et le trapèze. On peut essayer de pousser plus vers l'arrière, incliner la tête vers l'avant, ou plus vers l'avant et aller chercher la tête vers l'arrière. C'est pour vous de ressentir l'étirement, la zone entre le trapèze et le cou. Voilà. Fais ça de l'autre côté aussi. Bravo à toutes et tous, c'est fini pour aujourd'hui. Ça vous fait un cumulé de 45-50 minutes de travail. C'est parfait. Aujourd'hui, on a pu travailler voilà, fortement, très axé sur la sangle abdominale. J'espère que vous l'avez ressenti. Courage à toutes et tous, récupérez bien, hydratez-vous. Encore une fois, allez-y, laissez-nous des messages, des commentaires, qu'on sache si ça vous plaît et qu'est-ce qu'on peut ajuster ou pas sur la séance. À bientôt et courage à tous.